Des grandes actrices et des grands acteurs, on n'en manque pas dans le monde, et pour la plupart, ils ont quand même toutes et tous un gros chef-d'œuvre ou un film qui a marqué les esprits dans leur CV. Mais si je vous disais que dans cette vidéo, vous allez découvrir que certains acteurs et actrices de renom ont joué dans des films avec des rôles qui sortent de l'ordinaire. Vous ne les aurez même pas imaginés là-dedans, dans vos rêves et cauchemars les plus fous. Gentlemen, you have my curiosity, but now you have my attention. En général, ça va être des rôles où on va se poser une vraie question qui est... Why? Je vais vous proposer 5 grands noms du cinéma hollywoodien dans des rôles étranges et on va commencer sans plus attendre avec le grand Robert De Niro. C'est à moi que tu parles? On connaît tous Robert pour son talent et ses rôles iconiques, que ce soit aux côtés de Martin Scorsese, Sergio Leone et même encore Francis Ford Coppola. Mais sachez qu'au beau milieu de tous ces beaux rôles, juste après Les Chemins de la Dignité, Robert De Niro a joué le rôle d'un dictateur dans Les Aventures de Rocky et Bullwinkle. Okay, I'm waiting for the punchline. It's not a joke. Et là, ce n'est pas un genre de beau-père grincheux comme dans Mon beau-père et moi. Non, là, c'est un vrai despote. Je veux des émissions abominables! Vous en faites pas, Fearless Leader. Nous voilà donc prêts à tester la machine. Ce film, c'est un peu comme Qui veut la peau de Roger Rabbit, mais différent. Il est sorti en 2000 et s'est considéré comme un nanar de De Niro. L'acteur a mis son sérieux de côté pour jouer un dictateur complètement loufoque. L'histoire, deux dessins animés, Rocky l'écureuil volant et Bullwinkle le cerf affûté, sortis de leur retraite par le FBI pour botter les fesses du dictateur de Postsylvanie qui voulait être président des États-Unis. Une comédie déjantée où démocratie et télé sont en jeu et où De Niro s'éclate avec d'autres stars à jouer les gamins entre animation et réalité. Qu'on les attrape ! Du n'importe quoi, mais c'est vraiment très drôle. Imaginez maintenant notre bon vieux John Travolta. Oui, le gars qui nous a fait groover dans la fièvre du samedi soir. Imaginez-le envoûté par l'idée d'adapter le livre de science-fiction du fondateur de l'église de Scientologie, et quel serait le résultat? Eh bien, un film qui a laissé les critiques et les spectateurs perplexes, pour ne pas dire carrément dubitatifs. Une fois terminée l'exploitation totale de cette misérable petite planète, rendons un grand service à l'univers. En exterminant tous ces minables. Sorti également en 2000, Battlefield Earth est un mélange de science-fiction post-apocalyptique et d'aventure, mais il est devenu célèbre pour de nombreuses raisons plutôt inhabituelles. John Travolta lui-même incarne le méchant Terl, un extraterrestre aux dreadlocks ridiculement longues qui a servi les humains survivants sur une terre dévastée. Le film est rempli de choix de mise en scène étranges, de dialogues décalés et d'effets spéciaux qui semblent parfois tout droit sortis des années 80. Et ce qui est ultra fun, c'est que tout dans ce film semble poussé à l'extrême, que ce soit dans les expressions faciales exagérées, les plans de caméra angulaires ou les lignes de dialogue totalement clichés. Même si le film est souvent cité comme l'un des pires jamais réalisés, remportant des Razzie Awards dans plusieurs catégories, il a tout de même acquis un certain statut culte en raison de son étrangeté. Cette photo provient de l'avion téléguidé. Elle montre une traînée d'éboulis dans la montagne qui a mis à jour une veine d'or. Et tu attendais sagement mon transfert avant de la livrer et de ramasser tout le crédit pour toi-même. Ça vous aurait été égal, je pensais. C'est vrai, ça m'est égal. Maintenant, écoutez ça. Si je vous dis Cyborg 2 Glass Shadow, ça vous évoque quoi? Rien? Ok, et si je vous dis Angelina Jolie, là, ça vous parle? Eh bien, en 1993, sortait Cyborg 2 Glass Shadow, et c'est le résultat d'une expérience de laboratoire dirigée par le réalisateur Michael Schroeder. Ils vont te réparer? Non, c'est déjà fait. Mais disons-nous plutôt adieu, ça va être ton tour. Son tour pourquoi? Le Glass Shadow. C'est comme si quelqu'un avait pris le film original Cyborg avec JCVD et avait décidé de lui donner un petit coup de pinceau spirituel. L'action du film se déroule dans un futur qui a l'air tout droit sorti d'une soirée pizza entre potes. Imaginez un monde où des robots à moitié humains servent à agiter des disputes. Angelina Jolie dans son rôle de Casella Ryze, une cyborg créée pour se glisser dans une entreprise d'armement. Sauf que là voilà qu'elle se met à développer des émotions, un esprit rebelle. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Pendant tout le film, on expose les thèmes du libre arbitre, de l'humanité et des robots révoltés. En fait, si on devait résumer le film, ça serait presque comme dans Star Wars, mais avec plus de métal et moins de galaxies lointaines. Et devinez quoi? Angelina Jolie a volé la vedette et ça a fait partie des films qui ont propulsé sa carrière. Comme quoi... Oh,
Il faut que j'arrête de fumer. Alors, en 2004, Halle Berry a enfilé le costume de Catwoman et on peut parier que les chats du monde entier se sont sentis soudainement beaucoup plus cool. Dans ce film, entre les cascades ultra stylées et les effets spéciaux de folie, il y a aussi quelques moments un peu lunaires. Les critiques ont griffé le film, mais Halle Berry a gardé la tête haute et a même récupéré son Razzie Award en personne. Et maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur ce film? Eh bien parfois, une image vaut mieux que 1000 mots. Looking for something? Pour finir, préparez-vous à un festin hollywoodien avec le retour des tomates tueuses. Oui, oui, vous avez bien entendu. Le retour des tomates tueuses. En 1988, Georges Clooney, oui, le mec de la pub Nespresso. Nespresso. Et bien dans ce film délirant, il affronte des tomates diaboliques qui ont décidé de mener une vengeance contre l'humanité. Je vous vois froncer les sourcils, mais croyez-moi, ce film est un chef-d'œuvre du genre. Et dès là, vous n'avez Je sais pas, moi tu pourrais au moins me parler. Mais je t'en prie, dis quelque chose. Imaginez des tomates qui roulent à toute vitesse, qui sautent sur les gens et qui les attaquent avec une fureur démesurée. C'est comme si le règne végétal avait décidé de se venger de toutes les fois où on les a mises dans une salade. Et devinez quoi, Georges Clooney, dans toute sa splendeur des années 80, se retrouve au milieu de cette bataille culinaire pour sauver le monde d'une sauce tomate mortelle. Le film est une cascade de moments hilarants et de répliques qui vous feront éclater de rire. Doucement, petit père, on ferait bien de se tirer. Je ne partirai pas sans elle, je sais qu'elle est là, je le sens. Bon, écoute. Admettons un instant cette hypothèse et supposons que c'est une tomate. Et allons jusqu'à supposer qu'elle est là-dedans. Comment feras-tu la différence entre deux tomates? Il va falloir vérifier les tiges, dis-moi. Clooney, avec sa coupe de cheveux dignement rebelle, doit lutter contre ces tomates farceuses avec toute la gravité que peut avoir un mec qui se bat contre des légumes. En bref, Le Retour des Tomates Tueuses est une expérience cinématographique que vous ne pouvez pas manquer si vous cherchez un film qui vous fera rire, secouer votre tête et vous fera douter de l'équilibre de l'univers tout en vous donnant une envie irrépressible de manger des tomates. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très vite pour de nouvelles sur Allociné.